Coucou, alors aujourd'hui, il y a la grosse luminosité derrière moi, c'est pas grave. Quoique, on va changer ça. On va filmer une recette de pancakes. On va filmer une recette de pancakes. Si je veux avoir une autre recette, je vais pas m'y mettre non plus. C'est chaud. Alors, pour la recette de pancakes, on va avoir besoin. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire des pancakes. C'est ma vidéo try du jeudi. Je filme des vidéos comme si je les passe pas. C'est mon truc du jeudi, quoi. Donc ça se trouve, je vais poster, ça se trouve, mais je suis mon truc, mon idée d'être plus spontané. Et bah, je peux le poster. Et en même temps, je sais pas si on a vu mon cas si YouTube kiffe ça énormément. Ma recette de pancakes, bah, c'est ma recette de pancakes. Genre, c'est pas une recette. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux la suivre, ça peut foirer, comme ça peut marcher. Donc on va voir. Et vide d'olive. Je viens de faire de la peinture et je me suis lavé les mains. Je vais me relaver les mains. Il faut que je lave les mains avant de cuisiner parce que je n'ai pas envie de bouffer de la peinture. Les toasts. Tous les chefs disent qu'il ne faut pas y aller à l'instinct. Souvent je suis des recettes, mais quand je fais des pancakes. En vrai, c'est un truc simple. Je pourrais suivre une recette simple, mais j'ai la flemme de pancakes. Je me fais des pancakes. Je suis petite aussi. C'est ça que j'avais envie de faire. C'est les pépites. J'avais envie de mettre quelques pépites de chocolat. Donc je vais mettre quelques pépites de chocolat. Il fait trop chaud pour manger du chocolat en vérité. Je sais pas si vous, ça vous écœure quand vous mangez du chocolat quand il fait chaud. I can't. Yes! La farine blanche, magnifique. Je pourrais monter les blancs en neige. Un blanc en neige. Est-ce que je monte des blancs en neige ou pas? Est-ce que je mets de la poudre à lever? C'est plus long battre les blancs en neige, mais en même temps je fais une vidéo. On fait du contenu. J'ai la flemme de battre les blancs en neige. Je vais vous montrer la gueule de mon bâtard. Alors je vais pas te critiquer. 30 ans le bonbon. C'est pas fifou. On va mettre de la levure. C'est de la poudre à lever. Il nous faut un salaki. Et du beurre. Et puis un verre doseur, même si vous avez capté. Voilà ce que je voulais faire. On va mettre du yaourt. On va mettre un tout petit peu de yaourt. Vraiment un tout petit peu, parce que sinon ça va pas cuire et ça va m'énerver. Alors, est-ce que vous aussi, quand vous ouvrez la farine, bah, c'est la galère de mettre un pied. Moi je pensais mettre 50 grammes de farine, mais je me dis c'est peut-être pas assez. Et en même temps, à chaque fois, je fais trop de pancakes. Est-ce qu'un œuf c'est trop? Et en même temps, comme je monte pas en neige, je peux battre mon œuf dans un verre en entier. Et puis prendre la moitié de l'œuf seulement. Focus. C'est à l'envers de toute façon, mais vous savez lire à l'envers. On a déjà un bon 30 grammes. On est à 50. On va mettre 50 dans le saladier, voir ce que ça donne. Vraiment, par contre, mes plans, on n'est pas sur des plans de ouf. Mais franchement. Oh, il y a de l'eau. Franchement, je pense que ça me suffit. Hein. Me faire genre 3 pancakes. J'en mange pas plus. À chaque fois, je vais en faire plus. Et c'est foireux, quoi. Comme ça. Bonsoir. On va faire fondre du beurre. On va prendre de ouf. Quand on me dit que c'est le pif, on me dit qu'il faut de la matière grasse. Il faut de la matière grasse. Pas trop, sinon ça va être un bain d'huile. Assez, voilà. Alors, quand j'ai un truc à faire, on va pas déconner, c'est là le levure. Parce qu'on voit qu'il y a un goût de levure. Alors, 7 grammes. Oula, moins les maths, moitié de 250, c'est 125. Moitié de 125, 63, quelque chose comme ça. Du coup, ça me met là-haut. On va même pas mettre un gramme, je sais pas. Et maintenant je veux que ça monte, parce que si ça monte pas, ça va me saouler. Ah, 7 grammes de cuillère à café, ok. Alors, c'est pas une cuillère à café, c'est une bébé cuillère. C'est une cuillère à... Une cuillère. Mais faut pas laisser rentrer. Cool. On mélange la farine avec ça. Donc y a pas besoin de plus de poudre. En fait, c'est un piège parce que je dis j'en mets tellement peu.
Mais c'est petit, mais c'est actif. Non, c'est... Ça a coupé, c'est moi qui ai cliqué. Oh non, j'ai plus de place. Je fais des bêtises. Faire un puits comme pour avec les papates. Les crêpes. On va mettre le beurre. L'œuf. Et good. Pour ne pas qu'il y ait l'œuf entier. On va ranger parce que sinon on va se perdre. Je vais pas oublier un ingrédient très important dans notre alimentation quotidienne, le sucre. Je vais l'emmener. Hop. Je pense que c'est très bien dans le beurre. J'ai un tout petit peu de beurre. Je vais mettre une petite cuillère aussi d'huile d'olive. Oui. Des pépites de chocolat, on va pas mettre au moins de manger non plus, quoique c'est du chocolat noir. Après, mon sucre a besoin. Hein. Hop. Un peu de lait d'avoine. Attendez. Pas trop de pépites parce que je veux pas que ce soit genre des gants. Ça suffit. L'œuvre d'art. On dirait les fruits de la passion. Stir. C'est pas mal. Je vais voir s'il y a déjà une consistance qui est bien ou s'il faut que je rajoute le liquide. Tu vois, c'est déjà très bien comme ça parce que si c'est trop liquide après, tu peux retrouver avec des crêpes. C'est bien parce que je suis contente parce que je me fais exactement la dose qu'il faut. Je me fais pas trop parce que je me fais tout le temps trop. Et ben, après, je ne mange pas et c'est du gâchis. Et c'est pas plaisant en fait. Quand tu fais exactement ce qu'il faut, c'est satisfaisant. Ça, je vais juste faire. Et pas plus. Elle est bien belle. Dis donc, qui est sorti dans mon 36 grenouilles dedans. 36 grenouilles, ça me va bien. Je suis satisfaite. Donc, voilà. Je viens de me demander si j'ajouterais pas de la poudre de matcha dedans, mais j'ai peur que ça soit une grosse erreur. Tu dois le. Liquifié ou pas? Moi j'y vais, voilà comme ça. Hop là. Ok, si ça va verdir ma préparation, j'en ai mis pas mal de ouf. Ça sent bien. J'aime beaucoup la pâte, je la trouve très sympathique. Je sais pas, j'aime beaucoup la consistance. Elle a une consistance sympathique. Voilà, elle me plaît. C'est satisfaisant. Très satisfaisant. Je trouve ma pâte très satisfaisante. À partir de là, je dois avouer que j'ai pas trop filmé quand j'ai fait les pancakes. Donc je vais vous laisser avec les pancakes. Ils étaient bons. Ils sont pas forcément beaux, mais ils sont bons. Bye. Enfin non, je vous dis re-bye après, mais bye pour les pancakes. Enfin bref, voilà. Donc du coup, bonjour les pancakes. Merci de filmer cette vidéo, merci d'avoir filmé cette vidéo, même si tu fais des pancakes parce que t'avais envie de pancakes. La vidéo, tu peux publier la vidéo si tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine.